a le rôle de nettoyer, a le rôle de temporiser, a le rôle de ventiler, a le rôle de rafraîchir la ruche, a le rôle des fois d'être gardien pour empêcher l'intrusion de ces prédateurs. L'organisation qu'il y a derrière. Lorsque tu les observes, bien-aimés, ils organisent et ils protègent, ils rassurent la survie de quoi ? De la ruche. Et pour Déborah, j'aimerais bien dire qu'elle a rassuré la survie, bien-aimée, d'Israël. Amen. Et elle se levait comme une mère. Alors, bien-aimée, quand on se met à présenter Déborah, je ne voudrais pas qu'on reste dans le classique. À chaque fois qu'on présente Déborah, on a tendance à dire Déborah, c'était en même temps moi si à Mobali, Azalaki Mama Abana, Azalaki Pekosala. Non, au-delà de ça, Déborah était juge, ok? Déborah était juge, Déborah était prophétesse, Déborah était poète. Juge chapitre 5, nous voyons Déborah poète, c'est un cantique. Juge chapitre 4, nous voyons cette femme juge. Alléluia. C'est parmi les femmes de la Bible, bien-aimées, qui ont composé les deux rôles. Un rôle religieux, un rôle politique. Alléluia. Un rôle religieux, un rôle politique. Mais j'aime l'équilibre parce que quand on parle de cette femme dans Juge chapitre 4, on présente l'aspect familial de cette femme. On dit qu'elle était la femme, bien-aimée. On dit que c'était une épouse. On dit que c'était la femme de Lapido. C'était la femme de Lapido. Et quand on parle de Déborah, on ne s'attelle même pas sur ses enfants. Parce que cette histoire, bien-aimée, a un caractère assez équilibré et c'est par rapport au peuple d'Israël. Alléluia. C'est pourquoi je t'en supplie, à chaque fois que tu penses que Déborah s'est élevée comme une mère, kokanisate katelema kipolo laba couche ya ba bébé, kokanisate katelema kipola mama desunan. Tous ensemble. A telema kiloko la mère na Israël. A telema ki na motema ya bo maman. A telema ki prête au sacrifice. Il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce que, bien-aimés, soyons cohérentes? Est-ce que Déborah a kokai kote lema, loko la mama ya peuple mobimba? A bota ki bango kan, a boko la ki bango kan. Mais elle s'est levée comme une mère peut se lever pour Israël. Bible, pour Israël. Yangwana na passage balobi que elle se leva comme une mère en Israël. Israël qui était dans un état chaotique. Israël était assiégé par les Cananéens, par le roi Jabin et son général Sisera. Alléluia. Son général Sisera, il y avait un problème. Et en ce moment-là, Israël, bien-aimé, était asservi. Israël était faible. Israël était faible. Mais Dieu pointe une femme. Dieu désigne une femme. Dieu désigne cette femme, oint la femme, donne à la femme l'appel d'être une prophétesse, non seulement d'être prophétesse, mais d'être en même temps juge. Deux choses capitales. Juge parce que sous l'arbre de Déborah, il était là pour juger, elle était là pour juger. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Et elle a donné tellement de précisions prophétiques. Elle a tellement donné même des prophéties à Barak. Et elle savait comment juger. Elle savait comment édicter, parler de la loi et de ce qui devait se faire. Écoutez-moi bien. Il y a des femmes qui sont ici. Donc il y avait un besoin criant. Le peuple était asservi. Le peuple avait besoin d'un leader. Le peuple avait besoin d'un leader politique. Le peuple avait besoin d'un leader religieux. Le peuple avait besoin d'être porté. C'est dans ce contexte que elle, Déborah, elle fait quoi? Elle se lève comme mère. Même un homme pouvait dire, je me lève comme une mère. Toujours kende. Comme une mère. Pourquoi j'appuie cela, bien-aimé? Je l'appuie parce que, bien-aimé, c'est au chapitre 5.
quand elle chante le cantique. L'histoire est au chapitre 4, mais au chapitre 5, elle est en train maintenant de chanter. Un peu comme Anne, non? Elle est en train de chanter, elle chante, abi. Boyo kandenge na sala ki e botala, ndenge na tele makiloko la mama a tele makapona Israël. On est ensemble. Parce que toute l'histoire ne tourne pas sur son mari, qui est une précision au départ. On veut juste nous dire que cette femme avait une fille familiale. Et puis après, c'est l'histoire d'Israël, parce que l'histoire d'Israël est répartie par... Il y avait le temps de prophètes, il y avait les temps de juges, il y avait des parties, que ce soit dans le Pentateuch ou avant. En ce temps-ci, c'était l'époque précédente où il y avait même des juges avant et il y avait des juges après. Et parmi ces juges, il y avait une femme qui s'appelait Déborah, qui était prophétesse, qui était poète, bien-aimée, et qui était juge. Quelle grâce! Quelle grâce, bien-aimé! En quel moment? Alors, la crise est là. La crise est là. Mais avant cette crise, je dis, Seigneur, pourquoi seulement comme une mère? Mais j'ai l'impression que la réponse, elle est là. Bien-aimé, er, moutoua tel, makaloko, la maman. Ça veut dire maman. Regarde, par exemple, les passages de Ésaïe 66, verset 13. Comme un enfant que sa mère console. Ainsi je consolerai, oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Quand Dieu parle de la consolation, consolation avec qui m'a mis à rater. Ma maman bazar. Yawana nzambe so nya consolé, au point rassuré, au cas où consolé, au lobby. Loko la maman bonde la ka. Bébé, bébé, kole la te, bébé. Alobi nzambe. Nakolongola pasi ya motema na yo lokola penza mama se souciaka na mwana na ye. Ya mwana pesi corrélation d'une part le cœur d'une mère, d'une autre part car le cœur de Dieu. Nous pouvons dire que Dieu nous aime plus que nos mamans, mais Dieu a le cœur aussi d'une mère. Dieu pouvait dire simplement le cœur d'un père. C'est pourquoi même quand il dit quand ton père t'oubliera, mais il rajoute quand ta maman t'oubliera. Pour est-ce que maman boit caca? Est-ce que maman boit caca? Maman soki a boit qui n'est-ce pas que ba gangue la kae? Maman soki a boit qui ba loba maman zoba. Mais on a l'habitude, peut-être papa koikotika, mais maman datika laka. Toujours que de quelque part. Alors Ésaïe 49, verset 15. Une femme oubliait-elle l'enfant qu'elle a allaité? N'appelle pas pitié du fruit de ses entrailles? Il demande, il dit, de la même manière qu'une femme ne peut oublier son enfant qu'elle a allaité, de la même manière, moi Dieu, je ne peux oublier Israël, je ne peux oublier mes enfants. Ce qui m'a oyamalunga, akoiko bosana, moi n'en étais, nzambepe, akoiko bosana yote. Alors Déborah, dans ce contexte-là, il dit, je me suis levée prête à courir le risque. Je me suis levée avec le cœur de fardeau. Je me suis levée avec un cœur compatissant. Je me suis levée avec le cri d'Israël. Je me suis réveillée avec le vide qu'il y avait. Parce qu'elle était là le jugeant, elle pouvait sentir l'insécurité. Elle était là sous son arbre, elle pouvait comprendre le besoin d'un peuple. Elle était sous l'arbre, elle n'avait pas le mandat reçu dans la cuisine. Elle avait le mandat reçu de Dieu pour être la mère pour Israël. Tozo qui est quelque part. Tozo comment? Alors bien-aimé, regarde. Tu peux dire la mère aujourd'hui, mais au-delà de la mère aujourd'hui, même dans les cas bibliques, regarde Moïse. Quand on a dit qu'on tuait tous les enfants d'Israël, qu'est-ce que sa maman, les enfants mâles, juifs, qu'est-ce que la maman de Moïse avait fait? Est-ce qu'à boire qui est? A calculé, a calculé, a calculé. A l'obité. A bongissi, a bongissi. Nandenga komi na kitunga, na kati ya kitunga, babwa ki ya tie na mai, esika mai banda ki kokende tie koma nanda kwa faraon, pa, mama sali nini, abundeli. Mama sali nini, abundeli. Lisola Moïse, zola kisabiso, motema bo mama. Tala na Bible, basi omi balé, na 1 roi, chapitre 3, verset 16 à 28. Salomon azo tala basi mi balé, mokwa lale la ki mwana nae. Azolo baba kata mwana. Mama ona loba ki nini? Malamu mwana nanga bakata ete. Mwana nanga sala nini? Habika.
Bozo ka motema bo mama. Alo mi ba kata e ba kabola ya bitu. O kabola mwana te. Ata ozala yanga te, ata ozala na yo. Mwana nanga sala nini abika. Tala na Bible, basio ba mikitisa, ba siro fenicien noyo, ba mikitisa na makolo ya supo na nini. Po mwana zobela. Tala ba kawa ezala kebele, mama ba limita o mwana ngo lisusu te, azo mwana lisusu danger te, azo kanisata lo romorote, ami bwa ki po na nini, po na mwana na e. Mama yonanga toebi soki mwana no azo bela, to mwana no azana likama, pongi ezala kate, ne ka oyo Deborah zala ki nango, non seulement po na bana oyo peut-être akokai kozala nango, mais zala ki po na Israël, non seulement po na Israël, mais po na nzambe wa pesa ki emo sala, po na peuple wana. Tozo koma. Alors alobi, na telema ki loko la mama. Na zala ki prete ya kosala nini, ya ko bundana bingambe. Na zala ki prete ya kosala nini, ya ko teleme la bango, pona nini, pona protéger Israël. Yangwana bien aimé, une question se pose. Quand la femme se lève, c'était une femme. Quand elle se lève avec ce cœur de mère, quand elle se lève face à l'obstacle, quand elle se lève face à la persécution, quand elle se lève face aux limites, quand elle se lève, la femme bien-aimée, autant elle peut paraître faible, dans la femme il y a une force. On peut voir la femme, azana ekaneti azate, mais ce qui moi si a décidé, bien-aimée, kaka moi si on a beaucoup, moi si on a beaucoup, benga Deborah, en même temps Zala qui juge, en même temps Zala qui prophétesse, en même temps Zala qui poète, en même temps mande ko jirenda kunae. Waouh! Talandenge to salak. Ozo lamba, ozo longola mwana couche, ozo sa ozo tanga, ozo prepare matea, et puis après ozo solo na voisin, et puis après, et pa, osali marmions. Na fin journée pe boe aussi lisi. Mais ce moutou amonio, talandzo to mikie. Ce moutou amonio neti neti te, nzambe moutou apesa biso makoki wana. Yangwana ce qui moi si a comprendre biloko wana na kanisi ke moi si a kendaka au-delà ya limite. Yangwana na ngina ye biso eloko moko. Premier élément, quand la femme se lève, les choses bougent. Dis à ta voisine, lorsque la femme se lève, les choses bougent. Hey! Ça bouge. Yebisa et ça bouge. Pourquoi je dis que ça bouge? Regarde cette femme quand elle s'est levée. Déborah ressent ce besoin. C'était si fort pour elle. Mais à un moment donné, elle dit non, il faut que ça change. On est dans Juges chapitre 4. Quand on raconte l'histoire, écoute-moi bien s'il te plaît. Waouh! Elle se lève. Verset 6. Yoka. Elle envoyait appeler Barak. Abengi Barak. Elle envoie appeler Barak, fils d'Abinoam, de Ketchem et de Nephtali. Elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. Yoga moi la moitié, hein? A opesaya le bisoua 10 000 hommes. Donc, aye bakina stratégie de guerre. Aye bakina stratégie de guerre. Abi barak yaka, yaka. Telema, kaniso nzamba ebisa kibiso. Keta la katianda kuboe. Zwa 10 000 batu. Bima na bango. Bima kende na bango. Yoka lisolo. Na verset 7. J'attirerai vers toi au torrent de Kisson, Sisera, chef militaire wana. Chef de l'armée des Japins. Ou abandon yoko la bango. Avec ses chars et ses troupes. Et je livrerai entre tes mains. Barak lui dit. Si tu ne viens avec moi, moi la mobali, hein, si tu ne viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Ah, Tayumoko. Elle répondit, j'irai avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains. Ça, c'est une femme de foi. Moi, je suis à ma tata. Entre les mains d'une femme, et Déborah se leva. Elle s'est rendue avec Barak, à Telemiakena Barak, à Guéthen. Barak convoqua Zabulon et Nephtali. À Guéthen, 10 000 hommes marchèrent à sa suite. Et Déborah partit avec lui.
Héber et Kenia s'étaient séparés des Kenia, des fils de Hobab, beau-père de Moïse. Il avait dressé sa tente jusqu'à Chêne des Tsagnes. On informa Sisera que Barak, fils de Abinab, s'était dirigé sur le mont Tabor. Et depuis Horachem, de qui sont tous ses chars, 900 chars de fer et tout le peuple qui était avec lui. Alors Déborah dit à Barak, lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marchera-t-il pas devant toi? Et Barak descendit du mont Tabor, ayant 10 000 hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute Barak. L'Éternel mit en déroute devant Barak par le tranchant de l'épée Sisera, tous ses chars et tout le camp. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars de l'armée jusqu'à Koreshem, Goïm, et toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée sans qu'il en reste un seul homme. Acclame le Seigneur. Waouh! Acclame le Seigneur. Moissi et Lomé. Talandenga ningisi batu. Talandenga ningisi batu. Alobi yo salaboy. Yo keneboy. Yo baluka boy. Soit au saliboy. Et au salaboy. Nzamba au salaboy. Toro keneboy. Toro salaboy. Nasuka boy. Balongi. Quand une femme se lève, les choses bougent. Au fond, les choses ne bougent pas parce que tu t'es pas encore levé. Si elle avait seulement observé, est-ce que ça allait bouger? Est-ce que ça allait arriver? Ne te plains pas de ce qui n'arrive pas. En fait, ça n'arrive pas parce que tu ne te lèves pas. Si tu t'étais levé, ça allait bouger. Tant qu'elle n'avait pas pris le risque, bien-aimé, rien, rien n'arriverait. Ezakimia, Ezak chaotique, pozo banga nano. Lokola barak, mwana mobali, ayebi bitumba, mazo banga kokende. Ye peut-être ayebi ko simba armete, mazana courage, azana audace, persalinini, à faire bouger makambu. À faire bouger makambu. Nazoeb sa moi si moko, kokota garage te, pe ko zalabi banga banga te, telema pe telemisa batu, po makambu e kota. Alléluia. Nazo ye bate. Sora zala ki moulaï na ebite. Sora zala moukouse na ebite. Mais fois zala er a telemi wana. A telemi neti ba kinoa ba lobara. A koti si esprit. A koti si esprit. A ebite salobi yo soro zoba nga problème ezate. Nzamba ro pesa nga victoire. O rozo lokoum na wanta. Tche Alobi nga na kosala ngo. Ponzamba ebite nga ka kosala ngo. Mo bali azui makasi a salinini. A kei. Bien aimé. Les choses bougent. Parce que les choses bougent. Pourquoi? Parce que lorsque une femme se lève, bien-aimée, il y a l'impact. Comme une abeille. Quand l'abeille est là, il y a l'impact. Si même tu bouges trop, l'abeille va te piquer. Comme une abeille, si tu n'es pas tranquille, ok, que si ma ruche naïe, bien-aimée, ok, bimano, zo potambango. Comme une abeille, bien-aimée, si tu es. Tu es sage, tu sais t'en servir, tu pourras y en avoir du miel, des bonnes choses. Nakatia moi si, comme une abeille qui peut travailler, comme une abeille qui peut produire, en toi il y a des bonnes choses. Mais il faut que tu te lèves pour qu'il y ait de l'impact. Bilokozo ya teozozela. Elle pouvait attendre Barak, mais elle s'est dit si j'attends Barak et Koyate, mais ngana ko motivé. Soi na zoze la papa na bana, soi na zoze la bana, soi na zoze la badon, soi na zoze la boy. Na lingi yonde ozala et lombe posa la nini. On stimule. O koza la na mobali a faible, o koza na bana faible, même si ozana muscleté, moko iko motivé bango, bako vanda bako e bate nzoka yonde élément moteur, yonde élément moteur, yonde élément moteur. Yangwana diable ayeba kapwa zwanda kwa ko isa mama, po mama sokaza ya kotelema, okomona kaka zo pesa mayele, azo pesa makanisi, azo pesa ba calcul, azo réconforter, même si mobali a lembi, même si bana ba lembi, aza wana za lokola coach, aza wana lokola influenceuse. Voilà Déborah. Déborah, la victoire, c'est vrai, avec Barak. Mais c'est Déborah qui a eu l'initiative au-delà de Barak. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Femme, quand tu te lèves, les choses bougent. Regarde cette femme du Proverbe 31. Quelle femme dynamique. Des fois, quand je regarde, je dis, mais c'est pas possible. Elle file comme un navire.
Elle se lève le matin. Iwana Moisi. Elle se lève le matin. Elle donne la maison, elle donne les tâches à ses servantes. Elle donne la nourriture dans sa maison. Elle honore son mari. Elle acquiert des champs. Elle pense à un champ, elle a. Oh caca. Elle est active. Elle est active. Elle est active. Proverbe 31. Lorsque tu lis, bien-aimé, je ne sais pas, même si tu es un rêveur, lorsque tu lis le proverbe 31, je te dis, la musique, ce n'est pas la musique du genre « Na la mukite, na zolota te, na zolala te ». Normalement, proverbe 31, « Sokozo tanga ou bien zé mon ango, zaza, tudum, 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 eh ». Pour ça, c'est un épisode. Il y a un moment, verset, zara la mater, en ango. Basi bazawa. Basi balamuki pongi bazawa. Pepangana mona yo, pepangana mona yo. Et pepangana mona yo. Lobo repeso mona la kosa ro la muka. Visoro la muki te baronyata yo, eh. Eh bakonyata yo. Baraka ko vanda kaka, ebi na ebi tumba mabanga ka. Il faut un esprit anani. Débora. Yangwala regarde le proverbe 31. Proverbe 31. Regarde même déjà au chapitre 10e, au verset 10e. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ, elle acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins, elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle ne met la main de la guenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison. Car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait de couverture. Yo, continue, kaka. Elle fait des vêtements de félin, de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises. Et s'il a raté? Moi, si on dit. Oh, busy, moi, si penza. Ton koba. Ton loulata moninga. Ton continue. Elle fait de chemises et les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses filles se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne de louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu le surpasse toute Betelaye Soumaboko. Dynamique. Dynamique. Elle agit. Elle tente. Elle essaye. Elle opère. Elle est là. Elle est là. Elle n'est pas passive. Bien-aimée, j'ai dit hier à mon mari, j'ai dit chérie, nalingina bana sport, nalingina bana musculation, nalingina bana nyonso pona tellement na maramba ko sala na mokili oyo, que fona za na santé, il fona za na makasi. Ba jeune bazawa. Na lobi en tout cas santé, na ko lukango, na ko batelango, po makamu na za na ngo ko sala, il fona za na nzoto kolongono, kolongono, kolongono na bo pili kiki. Na bo pikiki lili, c'est ça. Bo pikiki lili. Na zo senga la jeune mo pesa nga age na yo. Soko la la ka ba pongi pesa nga makasi na yo. Soko la la ka tala ka novelas pesa nga force na yo. Po maramba ko sa les a e belle. E belle tala mo sio ate kaka. Tala mo sio ala mu kaka tongo. Tala mo sio sala ka boy. Na zo pambola nzambe ba mama ba teka ka mikate. Na zo pambola nzambe ba mama teka ka makala. Na zo pambola nzambe na ba mama bala mukaka tongo tongo. Akeso a commande na ya mapa. Asisi commande na mapa. A tuti pondu. Asisi ko tuta pondu. A conte a futi classe. Asisi ko conte classe. Azo sala sala zo sala sala zo sala. Azo sala sala. Yoza na ba million na yo italio. Me ye pe azo sala nini. Azo capitalisé. Penini biloko ezo bouger. Biloko ezo bouger. O ezala ki mukie ezo kola. O ezala ki te ezo koma. Eloko ezo koma te. Komisa ngona mbulo yo.
Comme ça, on a un boulot. Et l'autre, on a un angote, l'oukango. Et l'autre, on a un zalakate, créé en haut. Et l'autre, on a un lambarate, lambango. Mouvement, mouvement, mouvement. Alors, elle a de l'impact. Lorsqu'une femme se lève, les choses bougent. Oui. Ouh. Au monde, on a un kokoti bolembu. Il y a un rebond dans ta chambre. Au monde, on a un rebond sur un désordre. Même quand on a une décision, on se colle bien, on torchonne. Il y a un moment où on dit, la chambre n'a pas ça, va quoi? Tous entre nous, on t'a dit, ça va quoi? Moi, la seconde qui apparaît, jour à l'ibosse de qui? Il y a mis balé, il y a mis comme il s'entasse. Et bandit, ça commence à sentir du renfermé. Et bandit, et bandit, et bandit. Mais ce qu'on a dit, ah, la mouka, na banana, il y a un bon bar au poignet, na classé, na arrangé. Ils ont bougé, hein? Ils ont bougé. Ils ont bougé. On crée un espace où ça, les petits. Vie n'a pas de soupe à la. Vie n'a pas de soupe à la. Tu es trop resté sur cette montagne. C'est fini le temps de complaisance. C'est fini le temps de complaisance. Déborah pouvait avoir seulement un titre, mais elle avait non seulement le titre, mais elle avait l'attitude qui correspondait au titre. Elle était juge, elle pouvait juger. Elle était prophétesse, elle entendait l'ainsi dit l'Éternel. Elle était poète, elle a chanté. Tout ce qu'elle avait, elle pouvait le faire. Toboi batang wa batitre. Oza maman, oza maman, 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 te. Oza mukolo, maman, mukolo, mukolo, benza te. Oza jeune, moi jeune, jeune, benza, benza, benza te. Soko oza jeune, zala jeune. Soko oza maman, zala maman. Soko oza mukolo, zala mukolo. Soko oza jeune. Ma kasi oza nango. Eh, Nzambe. Ah! Ha ha! Les jeunes sont là. Les jeunes qui se réveillent à 11h sont là. Na baby si yemou tout nan yema be. Na bon sa moukien. Les jeunes filles qui se réveillent à 9h sont là. Nzambe ga moutoye bien. Na boy to tombo la mousse poto sou mouka na présence Nzambe. C'est seulement pour dire, capitalise la force que tu as. Capitalise la vigueur que tu as. Mais par rapport à ce passage, capitalise la fonction, la place que tu as. Si tu es une épouse, tu es une mère, tu es une grande fille chez vous, bien-aimée, fais bouger les choses. Fais bouger les choses. Fais bouger les choses. Que les gens soient bénis de t'avoir. Que les gens soient contents de t'avoir. Que tu ne sois pas un fardeau, mais que tu sois une femme solution, une jeune fille solution qui allège la maison, qui allège. Et quand tu regardes la maison, les gens disent, oh, dada sa fille. On a dada penza ya solo, hein. Yaya penza ya solo. Ce qui yaya zali, boya baba yaya bongo, hein. Ce qui yaya zali, yaya penza, yaya solo. Tika ba kombwa ki yaya pamba. Ba yibisa kote me ki yaya na ope komi kosi la. Acclame Jésus, ça va bouger. Ça va bouger. Elle règle les litiges, cette femme. Elle gouverne le peuple, cette femme. Elle protège le peuple face à l'adversaire. Déborah, elle gouverne le peuple. Elle règle les litiges. Au moins, c'est modèle Nini. Elle protège le peuple. Elle dit, non, Israël, face à l'adversaire, je veux aller. Si Barak a une armée, Barak, toi, vas-y, moi, je serai avec toi. Waouh! Quand il y a des litiges, une femme, elle se réveille le matin, l'arbre de Déborah, les gens accouraient. Et il paraît qu'elle a régné à peu près 40 ans. À peu près stable de stable, bien-aimée. Elle s'est levée en Israël comme une mère. Comme une mère. Comme une mère. Ce n'était pas la mère des Israélites. Vous savez combien de temps? Azaki maman, Azaki maman d'Israël, Azaki maman, comme une mère. Mettez-la ici, maman, quoi. Mettez-la ici, maman, quoi. Ça bouge, elle impacte sa maison. Parce que la femme, c'est l'organisatrice, c'est la conseillère, c'est l'aide, c'est le soutien. C'est la nourrice. Oh my God. C'est la meneur. C'est elle en fait. C'est pourquoi la Bible dit qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est vrai, mais la femme a été faite comme une aide. Une aide. Dans la maison, bien aimée, quand elle se lève, elle organise, elle conseille, elle aide, elle soutient.
Dans l'église, n'en parlons même pas, les femmes qui pouvaient aider Jésus dans son ministère. Quand les femmes sont à l'église, les femmes cotisent plus que les hommes. À moins que Naïli mais à la moussous, hein? Bah papa pour bapé, c'est bon, la bidongi batiara. J'avais déjà donné. Je ne peux pas donner. Étant donné que. Alors ça. Non, non, ce n'est pas budgétisé. Budgétisé, biso budgétisé, pas budgétisé. Ah, pour Nanzambe. To pesa kaka. Pour la pasteur, na biso, to sala kaka. Papa, mais il a déjà une voiture. Je ne peux pas. Ouh, parce que ceux qui vont télémine à l'église. L'église est pambo maka. L'église est full maka. Lokalingal. Et full kaka. Ceux qui moi si à zan église, au moins la batou bazan est singo. Pour moi, c'est à détendaka. Moi, si sur une église, à son ma fleur. Moi, si n'a-t-il à fleur. Fleur. À tiaka fleur. À décorer. C'est pour dire quoi? Quand une femme se lève, ça bouge. C'est pourquoi si ça ne bouge pas de ton côté, demande à Dieu de restaurer ta féminité. Parce que dans ta féminité, bien-aimée, il y a des bonnes choses que tu peux apporter dans l'église, que tu peux apporter dans ta maison. Peut-être que le poids de ta vie t'a fait oublier que tu étais une femme qui apportait la joie. J'aimerais te dire, maman, tu es une femme apte. Par yo bilo kwa sike koko kota na ndakuna yo, et koko ta na église yo, pe et koko kota na nation. La nation, regarde cette femme. J'ai dit dans la famille, dans l'église, dans la nation. Mikolo tozo le lanin la société. Tozo le lanin. Tolo biba na basi bazo miye ba di susute. Tozo le la tozo loba basi bazo perdre valeur na bango. Tozo le la tozo loba nin basi ba ibi sou valeur anzoto na bango te. Tozo le lanin basi bazo pesa anzoto fele. Tozo le lanin talande basi bazo miye ba te. Tozo le lani, tala mwa si ato sengi ete komona, nzo tonen na TikTok akola kso ofele. Tozo le la po tozo loba, soki mwa si oyo azo miye bate, soki a miye bi, mboke zande mususu. Tozo solo la, mboke zande mususu. Mwa si wana kaka, a miye bi te, tala ndere ma mwe komi. Bango mwa wazo mwe peso ofele, e pourtant soki mwa si a miye bi ataba dote kome bele, mabale rozale bele, pe ba bilo kwa mabe ko zala mingite. Mais tellement miyebite, bilo kwa mabe pe komi yi, e bele. Si ko soka miyebi a joué rôle nae, l'inverse de ce que nous voyons maintenant, bien aimé, nous aurons une génération bénie. Il suffit que les femmes connaissent leur valeur. Bien aimé, vous savez que pornographie rozalate. Vous savez que les images de nudité aux alaté, problème est ça, tomi yebite, yangwana na 12h, tokomi kolongola bilamba, ozola ksa ba nyonyo na yo, ozola ksa nzoto na yo ofele et pourtant yebite ba futa ka dot po ba monango. Tozo koma? Maintenant explique-moi. Si on moralise la femme, on éduque la femme. On est ensemble. On moralise la femme, on éduque la femme. Bien aimé à ta perversion, na biloko ebele mabe o sala nini et aussi là. Si on éduque, voilà le rôle de l'église, voilà le rôle que nous avons de se rendre compte que si la femme est éduquée, si la femme bien aimée est convertie, cette femme sera une source de bénédiction dans la société. Je prie Dieu que cela soit ton partage. Je prie Dieu que tu fasses exception. Je prie Dieu que dans cette génération, qu'on soit heureux, heureuse de t'avoir. Wow! J'aime des publications des jeunes, hein? Quand ils voient des serviteurs de Dieu que nous aimons. Des fois, ils écrivent, ils disent, nous sommes bénis de t'avoir rencontré. Nous sommes bénis dans notre génération d'avoir vu ce que nous voyons par toi, serviteur de Dieu. Nous sommes bénis d'être nés dans la génération de tel pasteur. Nous sommes bénis d'être nés. Alors je dis, wow! Ezara Nabatouli, Pambolina et l'écho. Li pamboli na eleko. Neti ngana zoku misa. Eleko ya ba mama na biso a deux pagnes. Oh, eleko kitoko. Eleko ya ba mama a deux pagnes. Eleko ya ba mama ya deux pagnes. Nazo lela eleko ya kilelo. Ebeti bien. Eleko ya. Tozo solo la. Tozo solo la. Eleko ya kilelo ezande ni. Na me kaka moko comme ça pour comprendre hein. Ba photo na bango yango.
Maman, c'est pas comme ça. On a maman, c'est pas comme ça. Maman, il faut cambrer un peu. Cambrer qui et quoi? Tu cambres. Tu es Elle va impacter la société. Tu peux imaginer à l'époque de Déborah combien les femmes se sentaient fières et dignes. Elles avaient une femme comme elle, respectueuse. Elles avaient une femme comme elle qui gouvernait. Elles avaient une femme comme elle qui avait le manteau prophétique. Je peux croire que ces femmes-là, au nom seulement de Déborah, elles pouvaient se dire non, on doit se ranger, on est capable. C'est pourquoi que Dieu suscite plusieurs femmes dignes, que Dieu suscite de vraies servantes de Dieu, que Dieu suscite des bonnes mamans, des mamans qui se respectent, des mamans qui vivent leur âge, des mamans qui font des choses en fonction de leur âge. Au colis, au colis, au comi bibliothèque, tikaba sexy à l'okuta, yabana mikezo. On observe. Et les jeunes copient. C'est là que les choses, bien-aimées, vont bouger dans la société. C'est pourquoi, bien-aimées, nous voulons faire quoi? Susciter encore cette race des femmes qui se respectent. Deuxième chose, bien-aimées, lorsque la femme bouge, bien-aimées, elle est prête à payer le prix. Une femme, quand elle se lève, quand déjà elle se lève, tu vas voir en elle une capacité d'aller au-delà de limites, hein, de payer le prix, hein. Moussou soit payé à caprité. Et ça, pas un an à pogni. Ce qui réveille et lio. Ce qu'on s'y ôte les miens au monde, au sous son mélote. Au kendaka vers l'avant, vers l'objectif. Au kendaka vers biloko za motouya. Biloko ya mabeo salaranini. Au tikara pembeni. Talaka ya Ruth. Talaka ya Esther. Talaka na Bible, Ruth 1, 16, 17. Aïm si Naomi, où tu iras, j'irai. Où tu t'arrêteras, je m'arrêterai. Où tu mourras, je mourrai. Là où tu seras enterré, je serai enterré. Elle dit quoi? Oui, je suis décidée. Je suis décidée. J'aime quand la femme est décidée. Quand la femme est décidée, bien-aimée, elle paye le prix. Les femmes bien-aimées ne font pas des choses parce qu'elles ne se sont pas encore levées, elles ne sont pas encore décidées. C'est pourquoi le travail que nous avons, c'est de motiver les femmes à se lever, les femmes à se réveiller, parce que nous savons que lorsque la femme se réveille, bien-aimée, elle fait un travail parfait. Une femme généralement est loyale, une femme est fidèle. Quand elle aime passionnément. Alors Naomi dit à Ruth, vas-y, dis, je ne veux pas aller. Là où tu vas mourir, je vais mourir. Je vois ça avec les femmes, même dans l'œuvre de Dieu. Lorsque les femmes se réveillent, bien-aimées, tu vas voir, elles vont payer le prix. On a fait le statistique sur 100 pasteurs. Tu ne verras pas 50 pasteurs femmes tomber. S'il y a 100 pasteurs qui sont tombés, peut-être qu'il y a seulement 5 femmes pasteurs qui sont tombées. Bah quoi y a dans la bango penzate? Pour ce cas, côté à côté, c'est l'ango esprit. Pas si à moi c'est à la kamusala libo soit tellement. Pas si à moi c'est à la ranan noamiyeba. Pas si à moi c'est à ranan eba valeur nae. Mais ce qui a longi à si a yebi valeur nae. Ce qui a longi à si a miyebi. Oko mon a moi si on a marababu zo balisou sou te. Oko mon a moi si on a sérieuse. Oko mi kam oko tuna. Oye aza moi si toi aza mobali. Oye aza Débora. Aza nae moi si ma si a comprendre un mandat yanzambe. Aza prête à kosala nini. Yako paye prix.
O comment la kilelo et koufie, o comment la vie à prière moukie et mati, o comment la za déterminé à comme il lion na katia royaume, le kola ba mama Julio yo, le kola ba mama ba sali bazan et sika oyo, na tongazo sa papa na bana, ngana kei, papa na bana, ngana ngina tanga bible, papa na bana, ngai fona kota jeune et prière, papa na abio, oh moi sinanga, pema mwanda mbuko, problème nanga na lala pondi mingi, neti na sina la mouki, na la mouka amabe, eh. Il y a une femme qui acclame ici. Mais on veut nous amener qu'à présenter la faiblesse de la femme. La femme n'a pas que des faiblesses, la femme a des forces. On veut nous montrer seulement que la femme est dans l'apparence extérieure. La femme n'est que cette femme qu'on présente, la femme poupée. Toutes les femmes ne sont pas des femmes poupées. Toutes les femmes ne sont pas des femmes qui regardent seulement à l'extérieur. Et ça n'a pas sur ma côte ça zague, hein. Maman yo alamuka katongo na ye akangi kitambala na ye avandi na coin wana zote ka benye na ye azota la gauche azota la droite te maman no romone pamba azoye manze mon azo kanga ba sachene ya makala azo kanga ba sachene ya makala azo travaille azo travaille maman no zo mone mukie so ki kutu papa zala ki na mbongo akwei ba papa na bakoka kozwa buste mona mama ata mbongo zato zate omona zala makasi okota ba buse. Les femmes sont capables de rebondir sur les cendres. Les femmes sont capables de rebondir sur les cendres et de faire quoi? De s'accommoder au milieu. Les femmes sont fortes. J'aimerais dire à une femme, elle est forte. J'aimerais dire à une femme, tu peux aller au-delà de limites. J'aimerais dire à une femme, tu peux aller au-delà de limites. J'aimerais encore redire à une femme, tu peux aller au-delà des limites. Regarde les enfants malades dans les évangiles. Les trois quarts de ces enfants étaient amenés à Jésus par les mamans. Hein. Maman, ne te trouve pas pamba. Esther 4, 16. Esther, la belle Esther. Quand tu pouvais voir Esther dans sa robe, tu pouvais la juger. Tu pouvais dire c'est une reine classe. Mais bien aimée, dans Esther 14, la même Esther belle, la même Esther pimpante a shifté. Elle a dit malgré la loi, j'entrerai. Elle dit même si je vais périr, je périrai. Oh Esther! Au bout ça dit quoi fashion? C'est Nazara fashion mais n'est pas peur au balouga. Yebisa mon équilibre. Yebisa équilibre. Et zaranatang wa talon pe zaranatang wa sac. Et zaranatang wa talon pe zaranatang wia. Alobi na kokota malgré loi. Na kokota, ebisi bangobola ta sac na kolata, na kokoti sa esprit, de sorte que quelque chose arrive. J'aimerais te dire que lorsqu'une femme se lève, elle n'a plus peur du danger, elle n'a plus peur du risque. Pourquoi? Parce qu'elle fonce au-delà de limites. J'irai en dépit de la loi. Elle est là. Elle paye le prix qu'il faut. Il y a tellement des exemples. Cette femme qui avait son vase, vase d'albâtre, les hommes observaient, mais elle a juste regardé Jésus. Elle a pris un parfum qui coûte cher. Parfum à moi, si na sac à main, a bimisi parfum, la salle qui a ronini, a panzi, a pas collé en ouïs. Ma disciple, ma lingue, ma solo, ma robe, ma vie, botikae, botikae. S'il te plaît, Déborah, elle a accompli la volonté de Dieu. Elle n'a pas eu peur. Elle est allée au-delà. Elle a payé le prix. Elles paraissent faibles, mais elles sont fortes, les femmes. Quand la femme se lève, bien-aimée, la femme peut accomplir des grandes choses. Quand la femme se lève, bien-aimée, elle peut regarder tout ce qu'elle pouvait posséder. Elle regarde vers l'arrière. La femme est prête à payer le prix. Troisième chose, quand une femme se lève, elle devient zélée et passionnée. Yebsa moninga zélée et passionnée. Nako se perso tia passionnée. Nangina ta la ba fille. Moi sa linga ndeni. Moi sa linga makasi. Nangina ta la souba jeune fille. C'est mon premier amour. Maman Baza, c'est mon premier amour, c'est mon premier amour. Oh, c'est mon premier amour.
garçon premier amour mingi mingi zarate boyoka ma garçon bazabana suka yoka garçon c'est mon premier amour na yoka ngote ma fille c'est mon premier amour et surtout il m'a déviergé c'est mon premier amour wana kangina o miso bana ko kanisa mukie bo beti mo mbatanda zongi. Elle est passionnée. Et pour le cas échéant, regarde pour Déborah, c'était faire la volonté de Dieu à tout prix. C'était aller au-delà de limite. Elle était tellement passionnée qu'elle ne regardait même pas ce que les autres pouvaient penser. Elle regardait à plaire au cœur de Dieu et faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Soko kutani naye pe oza akotelema. Bako mona na modèle oza passionné. Passionné. Oza la bi yemba yemba. Oza la bi bina bina. Oza la bi salela salela nzambe. Oza la na okara. Karabo karabo nini. Osi osali nini olingie. Na lingia. Kolo na lingio. Lelo na tatoli ngana lingio. Oh God. Quand les femmes aiment, lorsque le déclic est là, elles deviennent passionnées. Quand les femmes arrivent au point de cette femme, comme cette femme Magdala, c'est cette femme qui m'a toujours marquée. Je ne sais pas si j'en parle et j'en reparlerai encore. Cette femme a toujours montré la passion. Et d'une femme qui était endormie dans le péché, d'une femme qui était endormie dans une certaine position, mais lorsqu'elle avait rencontré Jésus, il a fallu une rencontre. Elle s'est réveillée, mais elle s'est réveillée pour toujours. Cette femme, depuis qu'elle s'était attachée là, cette femme n'a plus jamais lâché Jésus. Yangwana na lingara moi si akutana. Moi si ce qui déclic quoi ne si ekomelié okomona akangami. Yangwana okomona moi si wana kangama kana Yesu. Er Yesu azaki na kati ya ministère nae. Moi si wana tika ka ete. Moi si wana Yesu na kati ya ministère bazolo ba des femmes qui accompagnaient Jésus, les femmes qui accompagnaient Jésus. Quand les femmes accompagnaient Jésus, cette bonne femme était là. Pourquoi? Parce qu'elle avait un avant, mais elle avait aussi un après. Il y avait déjà un shift dans sa vie. Il y avait déjà quelque chose de grand qui avait réveillé cette femme, qui avait amené cette femme à se lever. Mais une fois qu'elle a compris que l'élément moteur c'était Jésus, elle s'était attachée à Jésus au point où même les disciples de Jésus à la croix quand ils sont partis, bien aimé, cette femme n'était pas partie. La Moussa Moninga nayo, cette femme n'était pas partie. Batunyon soba kei batubazate baebisinga que Marie de Magdala et Marie la maman de Jésus, la maman de Jésus était là à côté. Était là à côté. Quand on a descendu le corps de Jésus, ma Bible me dit, Yewana Yesu soit lundi. Yewana Yesu soit salinini. Yewana Yesu soit salinini. Alandi, ponanini. Aza passionné. Passion et sanganarana bolingo. Passion et sanganarana attachement. Alandi. Va déposer na tombe à se rassurer. Er saba et komi eleki. Bible est singa que moi si on a qui me mangu. A que ko vérifier. So ki oya la kaki. Ya sole ko ki samaki. Bible na ngai elobi que moi si on a nde. Parmi baba si oba mona ki ke tombo et zavid. Moi si on a. Yoka privilège oba pesa biso. Mukolo bako minimize moi si. Yebisa batu Yesu abotama na mwasi, Yesu asekwa pe nouvelle ya kosekwa ne apesa ngo mwasi. Nouvelle era kuta di jardinier wana neti jardinier te Yesu ebisi e Marie pona ni ozole la. Abia! Ezayo! Ezayo! Abizanga!
kende koye bisa ba Pierre, kende koye bisa ba Yekoli, kende koye bisa ba disciple, ke ya solo ona loba ke salinini e kokisem. Bible ebisinga akimi mbangu Yesu nanga akimi mbangu akimi 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 akeko ebisa bango donc alinga kie na ndenge ya solo bande konanga soki basi to komi na niveau oyo to kosale la nzambe esimba to esimba te toko sale la nzambe baka kapona libala toko sale la nzambe kaka pona mbongo te toko sale la nzambe kaka pona biloko mikete toko sale la nzambe poto lingie toko sale la nzambe po akangola biso toko sale la nzambe pona nini toza batoto sito lamuki pe tozo kende liboso yangwana soki yo nzambe no ezala ka mbongo bongwama yangwana soki yo nzambe no ezala ka mutuka bongwama yangwana yo soki nzambe nawe zapona mabota bongwama. Yangwana yo nzambe zakaka o po ba prophétie kokisama bongwama. Yangwana yo soko sale la nzambe kaka po na intérêt okutani nanu te. Okutani nanu te. Po na mwasio le Jésus fort qui faisait des miracles, c'était son Jésus. Le Jésus qui était à la croix, c'était son Jésus. Le Jésus qui était à la tombe, c'était son Jésus. Le Jésus qui était ressuscité, c'était son Jésus. Donc mon Jésus, c'est seulement mon Jésus. C'est pourquoi on colle cette histoire à la femme. Parce que la femme aime comme ça. Moi, c'est l'inga amabé. Moi, si. Moi, c'est l'inga amabé. Il y a un moment la déception à moi. Si moi, c'est l'inga amaka, si. Babetio, motema, motema, modèle de linga kio, basaloni, motema, si on mousse mobile à zolo, on est la belle boy carapoca baboyo, hein, baboyingo, y'a bien des gens la linga qui est. Vous savez quoi? C'est pour dire, si on est faible dans le service, donc on n'est pas amoureuse de Jésus. Si on est faible dans le service, donc nous ne sommes pas passionnés par Jésus. Si on est faible dans le service, donc nous servons le Seigneur à un niveau et nous ne passons pas à l'autre niveau. Yangwana basi ebele ba koma matinda. Po ba ya réunion à ba femme. Il faut assilisi ko tumba bampio dinaye, assilisi ko teka, assilisi nyonso era na culte azola la pongi. Tala non se moninga na zola la pongi. Ya wana ko tuna basi basali ba kenda wapi? Basi basali ba koma buzi, basi basali ba komi mukie. Problème eza problème a basi basalité, problème eza problème ya. Problème mususu boye eza nini? Tokomo kabola bolingo wana to kaboli bolingo il fallait to pesa Yesu na biloko ebele eh? Ah ba jeune fille bo kaboli bolingo wana na biloko ebele eh? Bo kaboli bolingo wana na réseaux sociaux eh? Bo kaboli bolingo wana na kilelo eh? Bo kaboli biloko wana ba sugar daddy eh? Bo kaboli biloko wana ba bisou a bolili eh? Bo kaboli biloko wana buzoba eh? Bo kaboli biloko wana ba distraction eh? Bo kaboli ba bolingwana zopesa papa na ba mobimba ya papa batu okopesa ngo Yesu te au fond là il y a résistance donc je demande un amen au fond là sinon résistance surtout derrière le poteau là je dis résistance alléluia. Cette femme avait déjà une vie sale. Cette femme a déjà ses démons. Lorsqu'elle s'est, elle est délivrée, elle a pris la décision. Et puis à Talaka lisusu na simate, après délivrance na ya sept démons wana, moi si wana Talaka lisusu simate. Quand la femme se lève, même l'église bouge. Quand la femme se lève, le monde bouge.
Et quand la femme chrétienne se lève, bien aimée, elle se lève comme le sel, elle se lève comme la lumière, elle se lève comme une femme bénédiction dans une génération. Nous soupirons après des femmes bénédiction pour la génération. Nous soupirons après des femmes qui seront élevées en dignité, en autorité, mais qui vont craindre Dieu. Nous prions, nous demandons au Seigneur des femmes servantes de Dieu qui vont impacter autant de femmes. Je prie et c'est ma prière de tout mon cœur qu'à Elim, qu'il puisse en avoir des femmes comme ça au nom de Jésus. Que Dieu déploie dans cette armée de temps de la fin des femmes équilibrées. Elles sont bien dans la maison, mais ce sont des servantes de Dieu engagées. Où sont-elles, bien-aimées? Où sont-elles? Jésus revient, Jésus est en train de venir. Mais dans l'armée de temps de la fin, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des jeunes, il y a des vieux. C'est pourquoi il dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Mais il dit, même vos vieillards, copé saraka ba raisonto, moi kolo passi, ba genou passi, mon congo passi, ménopause, bouffée de chaleur, ah ah, tchabiso kuna. Et ma kolo, oh, mon congo, oh, oh suki, oh matama, oh manzaka, hey, oh ekonde swakingai. Des belles raisons. Tu sais, quand tu n'aimes pas, un garçon t'appelle, tu es occupé. Ma jeune fille, basa koto. Soro lingi garçon te. Surtout, ma fille, mi koso, assi a chini na, assi a chini, si e sili. Siko lingi, li soute. Era obenga yo. Je t'ai occupé, je n'étais pas connecté. Mais soro lingi, au moins la téléphone, ozo lambo, ozo na téléphone, bo. Ozo na bus, ozo na téléphone, bo. Ozo la coup de fil, ozo la. Ose la coup de fil. Ce cas, Yamim Balamoro, avant que tu aies sonné, tu es pas. Allô, c'est moi. Allô, allô, oui, tu disais quoi, chérie? Tu disais quoi, chérie? Parce que tu aimes. Tu aimes. Pour Marie de Magdala, suis-moi. Les Jésus qui étaient nus à la croix, c'était toujours son Seigneur. Jésus à la croix, il était nu. Mais c'était toujours son Seigneur. Quand les autres lapidaient, quand les autres disaient, peut-être qu'on s'était trompé. Elle ne s'était pas trompée. Pourquoi? Parce que la marque était dans son cœur. La trace était dans son cœur. Son Jésus, c'était son Jésus dans son cœur. Tous à la bas religieuse, tous à la bas loyengiste, pour loyengé, côté dans l'église, mingi, tous à l'église pour tous à prophétie, tous à l'église pour qu'à tous chauffer, yaka à l'église pour lingi yesu, yaka à l'église pour adorer, yaka à l'église pour saler, yaka à l'église pour tombola, royaume en Zambé, bien aimé, nakatia royaume, ba soldat, ba komi moukie, nakatia royaume, ba Deborah, ba komi moukie, nazo senga na moi. Simoko na oyo na zoteya oyo ka moto na kati na yo na za lokola Deborah na za la modèle pona o na ebisa yo totelema. On nous le dit, les femmes deviennent charnelles, les femmes deviennent frivoles. Autant les femmes sont charnelles et frivoles, bien aimées, dans certains pays comme au Madagascar, il y a des mouvements de réveil graves des femmes. Il y a des mouvements graves, des mouvements sérieux, des jeunes filles, Zakara Babilo, Rabouzobo et Comité, distraction totale, distraction, vous nous faites honte, sors du groupe, sors de la mêlée, sois différente, quand la femme se lève, ça bouge. Quand tu vas te lever, même tes amis vont se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Mais ceux qui ont eu option, ils ont eu l'ordinaire. Ceux qui ont eu l'émité, ils ont eu le souhait. Ceux qui ont eu l'émité, niveau à prière au banda qui ango année passée zalaka oyo soko telemité façon de ressembler les arandé moko soko telemité o zalaka kanengo zali mena ba souebele mais soko lobio telema na zo ebiso ba kotala maman na liboso na maman mususu maman ona asala nini a change. Ne crois-tu pas que c'est le moment? Essaie toi-même de regarder à toi-même.
C'est pas la même chose. Tu n'as pas l'impression que tu vis comme dans un cycle. Tu n'as pas l'impression que ta vie n'est même pas linéaire, tout droit, étape par étape. Mais on a l'impression que ta vie est en boucle. Et en boucle. Et en boucle. Non, on loue la moto. Et en boucle. Et en boucle. Naya qui en est passé. Nao naya qui en est passé. Nanga ya lelo. Maman, est-ce que changement est allé? Et ça, si je suis en train de faire 2-3 combos, oh, il y a solo penza. Oh, yo penza a changé à qui? Oh, yo penza a salaki bo. En boucle. En boucle. Dis-moi, dis-moi. Le pasteur prêche tous les jours la même chose. Autant d'orateurs. Demain, il y aura encore une oratrice. Autant de conférences. Il y en aura toujours. Les jeunes gens, vous allez liker les vidéos sur les réseaux sociaux. Vous allez être comme des membres des jurys. Vous allez nous coter. Ateya qui bien, ateya qui bien te. A la taki boye, a la taki boye te. Problème n'a ngaï, si go ezali. E bongo yo. Baninga koutouba omeka. Si go e bongo yo. Bisoto kola naba objectif. Est-ce que si il sait qu'autant la Bible de Genèse Apocalypse? Bisoto kola kana ba objectif. Mais lelo, objectif ezate ezakaka. Ba prière ma casse. Si on a une question, qui m'a cassé ça? Peut-être qu'on a un problème. Prière à ma casse, cause à l'étendé. Prière à ma cassité, et cause à l'étendé. Pour Mikolo, pour Balobi, vie de prière, mon pied. Ouh là 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 là. On blague même sur des sujets sérieux. Ce qui m'a dit, c'est loco, vie de prière, n'est mon pied. Ça veut dire quoi, vie de prière, mon pied? Ça veut dire quoi? Et dis-moi, ça veut dire quoi, vie de prière rébellée? Où tous les chantres parlent en langue de la même manière? Où tous les chantres parlent en langue de la même manière, mais gardent le même style, gardent le même cœur, gardent la même chose, des vies de prière rébellée? Je vous dis, si on ne se réveille pas, si on ne se lève pas dans notre génération bien-aimée, ça sera vraiment une génération très triste dans notre pays. Parce que les gens qui nous ont précédés, les hommes de Dieu qui nous ont précédés, des fois ils ont frappé fort. Hein. Ils étaient jeunes, mais c'était des jeunes engagés. Maman, je vous défie, nous sommes dans la même chose. Maman, je vous défie, nous sommes dans la même chose. Maman, je vous défie, vous avez pris l'habitude d'être nourris. Maman, je vous défie, vous êtes devenus des esclaves, des prophètes. Maman, je vous défie, vous êtes devenus des mamans qu'on porte tout le temps. Et pourtant, 5 ans, 10 ans dans l'église, nous avons besoin de vous. Prions, c'est vrai, mais servons le Seigneur, servons les autres. Déborah était une maman, mais elle a oublié sa maison, elle a servi pour Israël. Nous avons trop servi dans nos maisons. Lorsqu'une femme se lève, des fois elle oublie sa vie, elle regarde à la vie des autres. Lorsqu'elle se lève comme leader, elle oublie, elle la pense aux autres. Quand tu entres en retraite, tu as vinayo. Vinayo. Au côté la nani retraite. Au côté la nani retraite. Au côté la nani retraite. On a vie des prières moukier. Au côté là, nani retraite. Au micro de la retraite, 100 jours. Au micro de la retraite, 200 jours. On a des vies de prière moukier. Vies de prière moukier. Et ça, c'est oh, la rageste. Biloko et comme ils ont fait ça. Biloko, c'est bien. Des vies de prière rébellées, l'okuta. L'okuta. Pourquoi? Bayo, bazo, la vie de prière rébellée. Mana vie est kobo. Oh, yazo, la vie de prière rébellée. Azana mobali abatou. Vie de prière rébellée, sortons de cela, sortons des bêtises, sortons des bêtises. Je dis à Elim les femmes, sortons des bêtises. Je dis à Elim aux femmes, sortons des bêtises. Nous voulons des femmes comme de Déborah, des femmes qui sont debout pour les autres. Jeune fille, comment ça maintenant? Wapi bango, wapi bango, wapi bango, wapi bilenge abasi, wapi bango, wapi bilenge abasi. Wapi bango, bazana TikTok. Wapi ba jeune fille, bazana TikTok, bazana sa biso poitrine na bango. Wapi ba jeune fille na biso, bazo tourner lo keto. Wapi ba jeune fille, maman, tozo le la nazape maman. Elles sont où nos jeunes filles? Elles sont sur les réseaux sociaux. Elles sont où? Sur les réseaux sociaux, pas pour prêcher. Elles sont dans nos églises, mais sur les réseaux sociaux. À 12 heures, elles enlèvent les habits. Bazo sa biso, ba nudité, on tozo la besoin te. Il faut que les gens se lèvent. Se lève. Humblement, nous, on a commencé à prêcher à quel âge? 20 ans.
On a commencé à encadrer les autres à quel âge? Wow, 20 ans, je crois. 20 ans, responsable de département. Même moins responsable de département. Vous êtes dans quoi? Vous êtes dans quoi? Donc, église est comme une continuité. Na sala ramabe nangai, na ye nangai église. Non. Na sala ramangai, na ye église, to chauffe mouké. Pasteur, on a terre bien, ton chauffeur mouké, c'est quoi conférence à Sika? C'est cyclique, mais ce n'est pas cyclique pour le Seigneur, c'est linéaire pour le Seigneur. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Tout ce que Déborah faisait, elle le faisait pour Dieu. Elle le faisait pour Dieu. La CPL, on a coûté uniforme, t'es? Et Zalarabouille, ma cassinabiso na uniforme, ma cassinabiso na organisation, mais ma cassinabiso pèse à la bonne zambé. Ma kasi na biso pesa na bonzambe, ma kasi na biso pe to travailler bonzambe, na ngina tuna na mwasi moko, depuis yo ya ka église, depuis yo ka ba rencontre abo, et loko ni nous échangea, o ezo la ksa kosi o telemi. Elle a payé le prix. Esther a payé le prix. Si tu es une femme qui ne sait que rester dans l'étape de coquetterie et n'est pas être capable d'enlever ça pour la spiritualité, tu as un problème. Tu as un problème. Ou bien tu es là seulement quand tu as un problème. Ce pasteur prie pour moi. Prophète au moninini. Prophète à monanini. Prophète à salanini. Banda pe ba moné la yo sala onetinini. Ba moné la yo. Yo kande ba moné la. Ba moné la yo. Ba moné la yo. Ba moné la ka moné la ka yo. Yep sanga na nenga vérité penza. Et sala yo nini. Pourquoi? Décision zara la motema. Changement est zara relation na nzambe. Changement est zara ka décision. Totika dépendance. Déborah se levait seule. Yepsa Moninga se levait seule. Elle n'a pas eu besoin de l'adhésion de tout le monde, mais elle s'est réveillée seule. Au contraire, c'est elle qui a été une meneuse. Je t'en supplie. Maman, pardon. Je vous en supplie, jeune fille. Ezate po boîte de nuit, on a transporté, on a tozoya ka église. Pardon. Je vous en supplie, musicien. Ce n'est pas parce que totika ba musicien mondain siko to komi ko yemba lokola mokili. Je vous en supplie, maman. Ce âge est komi koleka. Mets-toi à jour par rapport à ton âge. Tu peux être une bibliothèque. Ndimango. Je vous en supplie. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. À un moment donné, bien-aimé, il faut aller vers l'essentiel. Quand il y a un problème général, bien aimé, les gens vont vers l'essentiel. J'aimerais vous dire que le monde est dans un problème général parce que le retour de Christ est imminent. Puisque le retour du Christ est imminent, bien aimé, notre façon de marcher, notre façon de parler, notre façon d'agir doit être différente. Et notre façon de servir Dieu doit être avec des objectifs. Objectif ni nos anango. Tozo kosanani. Tozo kosanani. Mosali mokwa tourni à lobi. Judas a trahi sa ki yesu. A trahi sa ki nani. Misou balobi a trahi sa ki yesu. Me ya lobi ti a trahi sa ki yesu te. A mi trahi sa ki yemoko. Po a trahir yesu. Yesu a keza ki mission na e. Me apre yemoko sala ki nini. A mi kata ki moutou. A mi djembi kaki moutou. Ce qui fait que ozoko sa pasteur te, ce qui fait que ozoko sa motu te, mes problèmes est ça, nasuka ya nyonso, maman nasuka ya nyonso, ndeto koyeba soko kotaranda kwa nganga, ndeto koyeba soko yaka église a loyenge, ndeto koyeba soko yaka bo Christo makolo nyonso mi balé, ndeto koyeba, bo Christo est comme mods. Bon, Christ est comme si Kabatnyon se base au Kende. Basti, n'en parlons même pas. Mais je demande à Dieu que dans cette église, bon, ça l'exception. Je demande à Dieu dans cette église, bon, ça l'exception. Bon, ti kamasolo, bouzo, bekomi. Eh, biso pasteur nabiso, hein. Biso pasteur nabiso. Problème est à pasteur nabisoté. Problème est à église nabisoté. Problème est à l'inde. Et si Kanazala ki kala, na lo lengeni na komi lelo. Marie de Magdala. Via Kindumba, certainement Zalaki. Marie de Magdala, Mili Momabe Nakatinae, et Zalaki. Marie de Magdala, certainement Azo, Tambolana, Yesubazo, Oye Penza, Linga Koisae, Azaki, certainement n'a pas si par rapport à Bilokwana. Mais moi, si on a compris Naki,
a comprena ki ke ndenge na bandi eloko e kozala tina suka. Ton passé est lourd. Il y a des choses que tu portes, elles sont lourdes, mais il faut qu'à un moment donné, tu t'en détaches. Et lorsque tu t'en détaches, tu prends l'envol. Tu prends l'envol pour toujours. Si aujourd'hui nous pouvons lire Déborah dans la Bible, parce que cette femme a fait exception. Dans cette génération, qu'est-ce qu'on dira de toi? Na département Torolobanini. Azase on a bu soyaka. Masala moi sugar daddy na imoko boye. Masala ni moi kindumba na imoko boye. Masala moi vie na imoko boye. Si quoi yaka na yaka soka lingia sepela. Yawana yaka église. Nkaku tu na préféré otikalino na mokili. Mukolo décidé au bon wamo bon wami mobimba. Est-ce qu'on est ensemble? Na préféré moutou à assumer qui mopaga non aye. A tikali na mokili. Mukola zui décision, azui décision. Ke muto ya zo miko sa ye moko. Azo ya, azo joué théâtre. Au fond, à un moment donné, oyebite, yo moko so oza mwana nzambe, toza mwana nzambe te. Moko mwana batwa bongo. Soka lotika randoto mabe, akimi chambre. Soka lotika randoto mabe, ake koluka prophète. Soka lotika randoto mabe, ake koluka mtu musu pwanini. Ye moko, azan assurance a salute. Oh Dieu, je ne sais pas. Plus j'en parle, c'est comme si je sens, insiste, sortant des théâtres. Sortant des théâtres. Sortant des théâtres. Surtout qu'aujourd'hui, avec le trois quarts des musiques, Oyokoki Peko Binango Pokanisi Chéri, Mizanango Yanzambe, Okoza la Penanze Mope Otié, on dirait Oza la boîte de nuit, Bande Konangai, pardon. Je peux l'entendre, prostitution, prostitution. À un moment, il faut arrêter. Je peux encore l'entendre. Mbon wana na liaka, na zwaka ya onde liye sakanga. Et ça n'a pas raison. Moi, c'est trahir ka yo mokwe. So ki na salibo ete na robi kandengenin. Et ça n'a pas réponse. Réponse à l'opé, c'est n'a pas moutou. Mais problème n'a après. Les lo basi amaba la bas secret, n'de leki. Les lo. Ha, ko lia ko pangusa monoko, o pangusi non monoko, ça n'a pas de problème. Mais problème nanga, bibelobi, oyozo, lona, ndoko sala nini, okobuka. Moi, sio azalaka, ce qui déjà si a telemi, a si a l'amour qui, okomona e na engagement na e. Engagement na e za, lié na ba décision a ma kasi a zwa na vie na e. Il faut que tu aies une décision. Aussi, tu aies une décision et une vie. Tu es sérieuse avec toi-même. Es-tu sérieuse avec ta vie de prière? Es-tu sérieuse avec la méditation de la parole? Es-tu sérieuse avec le service? J'ai donné que 3 points, mais je peux te rassurer. On peut faire passer un papier. Tu verras que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Mais nous sommes dans quoi? Nous prétendons être réveillés. Vous faites, nous sommes morts. Nous prétendons être réveillés, mais nous sommes morts. Femme, semble-t-il, c'est notre journée. Mais dans cette journée, dans l'église, éveil de conscience. Où est la femme chrétienne aujourd'hui? Qui est la femme chrétienne aujourd'hui? Où est la femme servante de Dieu aujourd'hui? Quel est le rôle des femmes servantes dans la société? Quel est le modèle des femmes servantes que nous avons? Quel est le modèle de jeunes filles qui remplissent nos églises aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Quel est le modèle de nos jeunes filles que nous encadrons, bien-aimées, dans les relations garçons et filles? Quel est le modèle que nous avons? Quelle est la différence que nous faisons? La différence que nous faisons, c'est nous, nous venons à l'église, les autres ne viennent pas à l'église. Mais en dehors de l'église, bien-aimée, c'est un mélange. Na yeba ki amene kozala te po ngana bino il faut to solo la bande konanga mélange. Ce mélange bien-aimé, c'est un cri du cœur, comme le même cri de cœur que Déborah pouvait sentir pour Israël.
ce mélange qu'il y a, ce mélange, cette légèreté qui se sent, cette légèreté qui se vit, cette façon de servir Dieu, cette façon de se tenir, cette façon de vivre bien-aimé. Je pense que c'est à partir de là que les gens doivent d'abord se lever. Se lever. Problème exacté. Problème exact. Ce n'est qu'une église, beauté et angoté. Attends, ce bateau il est sous mon amesana langa. Ou bien ce n'est qu'une église, bah quoi, ça n'attend pas d'umba, nous avons pas pambolayo. Ce n'est qu'une église, attends, nous avons mobile à moninga, bah quoi, ça n'attend pas pambolanga. Ce n'est qu'une église, attends, nous avons chougarda, dit bah quoi, nous avons pambolanga. Ce n'est qu'une église pour ma fille, nzoloko, bah qui saison, bah quoi, ça n'attend pas pambolanga. Nangina, il se zalokuta, il se zalokuta. Bandela yebise ezalokuta. Naboyoka ngo isusu. Yebise ezalokuta. Vous savez, vous aimez qu'on vous mente. Hein? C'est terrible. Hein? Na bandela ngo. Nzamba ko pambola yo. Ata mobali wana abatu. Akokoma yayo. Mwasi na yako kufa. Bana na yeba kozika. Akokoma yayo. Ponzamba. Oh, lokuta. Nangi yebise ezalokuta. Ezama bete, nzamba bolingo, nzamba kandate, nzamba grâce, nzamba bolingo. Yebise isusu lokuta. Il faut qu'on se lève. Il faut qu'on devienne sérieuse pour avoir de l'impact dans nos maisons, pour avoir de l'impact dans la société, pour avoir de l'impact dans l'église. Si on ne se réveille pas, si on n'est pas sérieuse avec nous-mêmes, si on n'est pas prêt à accomplir la volonté de Dieu comme Déborah, bien-aimé, il n'y aura rien. J'entends, on ne se moque pas de Dieu. Je suis en train de parler à une femme ici. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé. Il le moissonnera. En venant ici, peut-être c'est pas ça que tu voulais entendre. C'est bizarre que moi aussi, c'est pas ce que je voulais dire. C'est terrible. Hein? Bizarrement, moi aussi, c'est pas ce que je voulais dire. Mais je pense que le cœur de Dieu nous connaît. Dieu nous voit. Et Dieu t'a amené ici, jeune fille, pour te demander d'arrêter. Il y a même une femme, après ici, le rendez-vous est tantôt. Mais je ne sais pas pourquoi. Je dois te dire ça. Il faut qu'à un moment donné, tu arrêtes, tu te ranges et tu payes le prix avec Dieu. Tu cours le risque avec Dieu. C'est là qu'il va te bénir. Un autre mot. Dieu ne te bénira pas lorsque tu détruis le toit de l'autre. Dieu ne te bénira pas lorsque tu détruis l'autre. Une autre parole. Jeune fille, Dieu ne te bénira pas lorsque tu seras dans les mélanges. Il te demande la séparation. Je suis si désolé de le dire. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore. Nous serons dans de réunions. Nous serons dans de rencontres. Nous serons... Maman, on a thé à qui, hein? Nous serons dans son azote à Nayokaka. Nous serons dans Azaka Moto. Nous sommes dans Ombona Ningisaka. Nous sommes dans Atea bien. Non, côté a bien zate. Koningis ezate. Problème est Zako Yoka Mongo Wanza Menasima Malubana Epeko. Sale. Rashamara Zandi Raskapa Korika Ishara Maseta. Ramaya Shande Risamare Tariskari. Ora la yasandere sama karabashari dai santa ribai santa. Ôtez l'interdit. Ôtez l'interdit. Femme, ôtez l'interdit. C'est comme, c'est tout un groupe. Hein. Je sais pas. Je vois des groupes, c'est comme des groupes. Ôtez l'interdit. Ôtez l'interdit. On ne se moque pas de Dieu. C'est comme si tu t'es juste habitué.
habitué. La Bible parle de Samson. Il pensait qu'il allait s'en sortir comme d'habitude. Comme d'habitude. Tu as avorté. Tu pensais qu'en avortant encore comme d'habitude. Comme d'habitude. Nazuize minalongolaka. Nakozoize minakolongola. Nazo iba bakomonangate. Nazo sala bakomonangaboete. Dieu m'a envoyé comme une messagère. Dieu m'a envoyé comme une messagère. Depuis un moment, même quand tu dors, tu pleures, personne ne le sait. En fait, tu es malheureuse. Tu le fais, mais au fond, tu es malheureuse. Tu es malheureuse. Et quand je suis en train de prêcher, c'est comme si tu... Il y a une voix en toi qui dit qu'elle arrête, qu'elle arrête, qu'elle arrête, qu'elle arrête. Qu'elle arrête, c'est si vrai ce qu'elle dit. Qu'elle arrête, qu'elle arrête. J'aimerais te dire, ce n'est même pas moi. Je n'ai pas prévu de te dire ça. C'est Dieu qui t'a attiré ici le 8 mars pour recommencer avec toi, pour réécrire l'histoire avec toi, pour que lui-même puisse réellement t'amener à te lever. Toi-même peux te lever pour ta vie. C'est lorsque tu vas te lever pour ta vie que les choses vont bouger. Il y a une femme à ma droite, à ma gauche, qui dit, elle est tout au fond ici. Tu partiras d'ici et tu es en train de me dire, je ne suis pas forte pour prendre cette décision. Mais c'est comme si ma voix, ça ne sera pas ma voix. La voix de Dieu va continuer à te troubler, à te tourmenter. Pour toi, coucher avec les hommes, c'est rien du tout. Mais le problème, c'est pourvu qu'il te donne ce que tu veux. Pourvu qu'il te donne ce que tu veux. À une servante de Dieu, le Seigneur peut dire, tu en es qu'aux prestations, mais c'est devenu vide. Le vase est vide. Il n'y a plus d'huile. Nous voyons que tu sers, mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Tu sers, tu chantes, tu as l'intercession. Mais c'est parce que tu es habitué à cette église. Pour toi, cette église est devenue une famille. C'est devenu une famille au point où c'est une famille, mais ce n'est plus une relation avec Dieu. Mais je vois le vide. C'est si vide, c'est si vide. Au point où que même lorsque tu prestes, tu ne dégages plus rien. Au fond, tu ne dégages plus rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de relation. Et moins il y a la relation, il y a ma bébé en Dieu kota. Bilo kobando sala kalate. Okomo salango. Oh, nous baissons nos yeux. Nous réparons avec Dieu. Nous réparons avec Dieu. Nous réparons avec Dieu. Nous réparons avec Dieu, nous devenons des professionnels dans le service. Nous devenons dans des professionnels, nous remplissons une tâche, nous remplissons un rôle, nous jouons un rôle. Mais tout ce que nous pouvons faire, bien-aimé, devient creux, devient mort. Harasharakaya sandarabasherizandarabasetiriskatorishkaranereska. Lève ta voix, tu vas prier. Je veux juste le clavier. Tu vas prier, nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, c'est par ton esprit. Et dis à Dieu, tu m'as parlé ce soir, tu m'as parlé pour mon bien. Tu m'as parlé pour mon bien, Seigneur. Seigneur, aide-moi à me redresser. Seigneur, aide-moi. Oh Dieu, si tu peux te tenir debout, tiens-toi debout s'il te plaît, tiens-toi debout, nous allons prier, avant que je descende, nous allons prier, des moments sérieux dans la présence de Dieu, nous allons prier. Nous allons prier. Yebisanzambe, nalingi nazala religieuseté, nalingi nazala relation oyo ezala na lolenge nyonso ngana kanga manayo. Hora sharas kentari bai shanta.
Je veux entendre ce synthétiseur bien. Quand me joue à la batterie, je veux l'entendre très fort. Tu as quelques minutes pour prier, tu as quelques minutes pour parler à Dieu, tu as quelques minutes pour prendre des résolutions, tu as quelques minutes pour t'agenouiller, tu as quelques minutes pour parler à Dieu, tu as quelques minutes pour dire Seigneur, tu m'as envoyé ici pour un but, tu as quelques minutes pour ça. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Oh le karasintere bere shara satarabasatarabakata. Oh Dieu puissant et fort, Dieu puissant et fort. S'il y a des résolutions à prendre, tu le prends ce soir. Tu le prends ce soir, tu le prends ce soir. Restaure, 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 Seigneur. Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Juste les voix, juste les voix. Nous crions à Dieu. Nous crions à Dieu. Jeune fille, crie à Dieu ce soir. Jeune fille, crie à Dieu ce soir. Jeune fille, crie à Dieu ce soir. Dis à Dieu, Seigneur, j'accepte de me réveiller, de me lever et d'avancer. J'accepte de lâcher, j'accepte de lâcher, Seigneur. Seigneur, fais-moi grâce d'être une nouvelle personne. Seigneur, fais-moi grâce d'être une nouvelle personne. Seigneur, j'ai besoin de toi. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur, tu es bon. Je veux faire un appel. Si tu t'es senti concerné et que tu veux changer, recommencer, repartir à zéro, tu vas lever ta main. Nous avons les yeux fermés, s'il vous plaît. Lève ta main, je veux prier. Tu veux repartir à zéro. Merci, Seigneur. Lève ta main. Lève ta main droite. Je veux bien voir cette main droite. Merci, Seigneur. Je veux bien voir encore et encore cette main. Je veux prier. Cette force te viendra de Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Lève bien ta main, lève bien ta main en signe d'humilité. Lève bien ta main. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Wow. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci, merci Seigneur. Wow. Seigneur, je te présente ces femmes qui sont prêtes à se lever, à prendre la bonne décision, d'être totalement engagées, d'être totalement consacrées, données à toi. Je te prie, Seigneur, notre Dieu, de faire grâce. Je te prie, Seigneur, notre Dieu, de relever. Je te prie, Seigneur, notre Dieu, que par ton esprit, de nouvelles choses se passent. Je te prie, Seigneur, notre Dieu, que cette décision soit actée par toi. Et que, Seigneur, notre Dieu, sortis d'ici, oh Dieu, que ces femmes soient des femmes debout comme Déborah, qui auront à jouer leur rôle, Seigneur, notre Dieu, dans la maison. Leur rôle, Seigneur, notre Dieu, dans l'église. Leur rôle, Seigneur, notre Dieu, dans la société. Elles décident de dire non au mal, de dire non à la frivolité et d'être sérieuses avec toi. Seigneur, merci pour la prédication de ce soir. Merci de bénir les femmes de Élim. Merci de bénir ce département de femmes. Merci de susciter des Déborah. Merci de susciter des femmes leaders. Merci de susciter des femmes servantes. Seigneur, que ton esprit rende capable chacune dans le nom de Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Acclame le Seigneur. Merci Seigneur. Amen, amen. Nous acclamons encore le Seigneur. Nous disons merci à notre Dieu pour cette parole. C'est vrai, nous devons nous lever. C'est vrai, nous devons bouger. C'est vrai, nous devons payer les prix. C'est vrai. C'est vrai, nous devons faire des sacrifices. Nous devons être zélés, passionnés pour Dieu, pour son œuvre. Mais nous est demandé une seule chose. Tout cela dépend du degré de l'amour que nous avons pour notre Dieu. Nous sommes tous les degrés de l'amour que nous avons pour notre Dieu. Oui, nous prenons l'exemple de Déborah. Oui, nous voyons Déborah
Mais Déborah était attachée à cause de l'amour qu'elle avait pour Dieu. A kangama ki poza ki na bolingo. Bolingo zala ki na bozindo. Bolingo zala ki na likolo. Yangwa kangama ki. C'est le point de départ. Dieu veut arranger nos vies. Le Saint-Esprit veut arranger nos vies pour que nous marquons notre époque, nous marquons le siècle. Tout marqué paix. Alléluia. Tout marqué paix. Yemsa Muninga, tout marqué paix. Époque Nabiso, tout marqué péta Nabiso. Nous devons marquer. Toko le kaka aboete. Alléluia. Nous devons bouger aussi. Toko le kaka aboete. Nous devons aussi payer les prix. Toko le kaka aboete. Nous devons faire des choses. Oyoti ka la cité aussi. Alléluia. Ba otanga ngope. Ba otanga peyo. Alléluia. Ba otanga peyo. Alors, revenons. Mettons du sérieux. Revenons et mettons du sérieux. Que Dieu bénisse maman Fifi, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse cette parole, que ça puisse germer dans nos vies et botambuma et belé dans nos cœurs. Alléluia. Tokomina ngonga tozoya mbabande kona biso nos invités. Nous voulons accueillir nos invités. Tu as reçu l'invitation, tu es parmi nous, tu peux t'élever pour que les femmes de l'île puissent t'accueillir. Osoa ki invitation to sengi hotel e ma poba mama bilenge basia elimba yambayo to zobeta maboko pona bande kona biso ba répondre na ba invitation na biso. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse. Ne soyez pas pressés de partir, vous allez encore rester une minute pour que les femmes de Lim puissent vous accueillir. To fandi na kombo na kole sumasia to komi bongo na ngonga na biso ya ba communiquer. Nous allons appeler notre sœur Laëlle. Avant que la sœur Laëlle passe, nous voulons dire un grand merci aux héros dans l'ombre. Dans cette organisation, il y a des héros dans l'ombre. To bengi bango ba héros dans l'ombre parce que basali ya minene mais to yebi bango te. C'est le département de la jeunesse. Nous allons acclamer le département de la jeunesse. Ils ont contribué dans l'organisation, ils ont fait vraiment de grandes choses. Que Dieu vous bénisse, les jeunes. Tokomina ngonga oyo ya ba communiquer na biso dans l'entretemps, tozo tia panier na biso pour honorer notre Dieu avec nos offrandes. Les protocoles, s'il vous plaît, tozo welisa ngonga et pousani penza, to pousse ba panier na biso. Ça là, s'il te plaît, si tu peux passer. L'obitozo mi katina esika oyo kozanga te invité. Eza conférence débat. Opposer ma question nyoso zana yango. Ozana posa ko poser ko poser. Tozo mi katina esika tozala ana ngonga malamu potozo apenza ngonga na biso to salela yango. J'étais dans la. Bonsoir ma maman. Pendant que nous donnons nos offrandes, je vais donner quelques communiqués. Première annonce est que l'obitozo